Good morning, everyone. Bonjour. Je suis Perrine de Coëtlogon. I just took an English title, but then it was all in French. So I'm going to speak French, but slowly, because I know there are some non-French speakers here. I am working at the University of Lille. I'm on two missions, on blockchain and on open education. And despite these are two separate subjects, I of course do the link between both. This is how I will later present to you all achievements. And I would say since the Open Education Leadership Summit in 2018, there have been so many things. And this is why Nicolas Dupin, which I invited today, came to me and said, I want to make the metaverse happen in education. Donc, quand j'ai rencontré Nicolas Dupin, alors que moi, j'ai vraiment des résultats très importants sur la blockchain et l'open education, et surtout sur, en ce moment sur la blockchain que je vous présenterai tout à l'heure avec Pierre Valleurgue. Je voulais présenter, c'est Nicolas Dupin qui est venu vers moi en disant il y a un vrai sujet sur le métaverse en ce moment dans l'éducation, parlons-en. Donc je rappelle rapidement que ça fait bien plus de 10 ans qu'il existe Second Life, qu'il y a un intérêt de tous les éducateurs qui aiment la technologie pour faire de la simulation, mais que Mark Zuckerberg, en annonçant le métaverse dans Facebook, accessible à tout le monde, a vraiment bouleversé la donne et a remis sur le devant de la scène l'idée d'une nouvelle façon d'éduquer. Notamment, on peut imaginer cette conférence où on se retrouverait vraiment dans un environnement beaucoup plus proche qu'une visio, où vous pourriez interagir avec votre voisin de la même façon que vous le faites aujourd'hui et suivre des conférences dans le monde entier. Mais il y a aussi évidemment de la simulation, des retours haptiques, et on parle vraiment d'immersion et pas simplement de Second Life et de prendre un personnage et juste d'assister. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus proche de la réalité. Encore une fois, merci à Nicolas Dupin, qui est le président de France Immersive Learning, d'être venu vous présenter ici ce que je crois être la bonne initiative open source et de partage des contenus et des scénarios dans le métaverse. Merci. Bonjour messieurs, dames. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. En même temps, très impressionné de passer juste après Moodle, qui est d'une certaine manière un des piliers de l'inspiration du projet et plus que ça, du propos très politique que je vous présente aujourd'hui. Quelques convictions pour poser le sujet. Je suis moi-même un ancien professeur, non pas d'université, mais de lycée professionnel. J'ai travaillé 17 ans dans l'éducation nationale et je faisais partie des pionniers de l'usage d'Internet au siècle dernier. Lorsque j'ai découvert ces technologies qui sont accessibles à tous depuis 2016, quand je parle de technologies, je parle des technologies immersives, qui sont nombreuses, la réalité augmentée, la réalité mixte, la vidéo 360, la photogrammétrie et la bien connue réalité virtuelle. Il m'est apparu absolument évident que nous avions là un formidable vecteur du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre. Le deuxième élément, c'est que nous étions face à une révolution anthropologique, dans le sens où depuis des millénaires, nous nous efforçons de transmettre notre expérience du monde au sens large à travers des supports plats de toute nature, aujourd'hui nos écrans informatiques, et que ces technologies, par nature spatialisées, nous obligent à repenser profondément notre rapport à la transmission et d'une manière générale le savoir, puisqu'elles nous redonnent cette tridimensionnalité qui est celle de notre existence réelle. Le troisième élément, il est que je suis et nous sommes beaucoup convaincus que ces technologies sont
le nouveau grand virage de notre expérience digitale, au sens large du terme. D'autant de l'impact violent des deux années de confinement que nous venons de subir et qui nous a permis de pleinement éprouver les limites des outils et des interfaces digitales qui sont les nôtres aujourd'hui. Si demain un confinement se reproduisait, pour une raison ou pour une autre, ou d'événements plus dramatiques comme il y en a actuellement dans le monde, nous serions à nouveau confrontés aux limites des interfaces, en particulier de la visioconférence que nous avons eu l'occasion de maîtriser et d'éprouver. Donc, le prochain grand saut pour répondre aux enjeux de développement, mais aussi de développement durable qui sont les nôtres, c'est l'immersion. Ce sont ces technologies. Évidemment, vous n'avez pas pu manquer cette énorme agitation, souvent excessive, au sujet du métaverse. Parlons d'univers virtuel collectif, pour ce qui nous concerne, dédié à la transmission tout au long de la vie, à la formation tout au long de la vie. Les enjeux financiers sont absolument considérables, grossissent tous les jours. On est donc face à un marché aujourd'hui extrêmement mercantile. Et dans notre rapport au monde, dans la construction de l'imaginaire qui fonde les différentes sociétés, il me semble absolument indispensable de construire des espaces de souveraineté numérique et de paix dans ces univers virtuels, en particulier pour disposer des outils pour transmettre ce que nous avons à transmettre dans tous les champs des compétences. Et la seule façon de pouvoir produire ces espaces non prosélytes, elle est de s'appuyer sur des outils et une communauté open source. Ce que Moodle a réussi à faire ces dernières années, je suis absolument persuadé que c'est ce que nous devons faire dans les années qui sont devant nous. Pour que mon propos soit clair, je suis obligé de vous présenter rapidement la structure que je représente. Elle existe depuis 2017, officiellement depuis 2018, et nous nous définissons comme le premier pôle de compétences dédié aux usages, j'insiste, aux usages des technologies immersives dans la formation tout au long de la vie. Ce pôle de compétences, il est composé de deux jambes, une jambe fédérative, l'association France Immersive Learning, et son incarnation opérationnelle, l'Immersive Learning Lab ou le Lab. L'enjeu qui nous motive, il est fondamentalement de passer de la promesse technologique, celle que vous commencez à connaître, le champ des possibles est absolument incroyable, tout est possible d'une certaine manière, presque, sauf la vraie vie. Mais comment est-ce qu'on fait demain pour développer une réalité des usages ? Comment est-ce que l'on fait pour que ces technologies deviennent dans vos universités, dans les établissements d'enseignement secondaire, dans tous les endroits où on apprend, des outils ordinaires au même titre que le sont aujourd'hui nos ordinateurs et nos tablettes. Ils ne sont devenus que les 20 ans d'activité qui viennent de se dérouler. Donc on est aujourd'hui une association qui commence à prendre de l'importance. On est plus de 150 membres. Initialement, elle a été fondée pour l'enseignement supérieur par le CNAM et l'UPEC. Vous les avez, ça va être ici. Voilà. Vous avez ici les fondateurs. Et puis aujourd'hui, on a une communauté qui grandit avec une particularité que nous mettons dans le même collectif, ceux qui ont des solutions et ceux qui ont des besoins. Les start-up qui ont des propositions de valeur, du matériel, et tous les organismes de formation tout au long de la vie. En ce qui concerne la partie opérationnelle, nous sommes au service des membres de l'association pour les accompagner dans l'appropriation et la mise en œuvre de ces technologies dans leurs activités. Donc on se base avant tout sur un lieu absolument remarquable qui se trouve pour l'instant à Paris. Probablement que dans les prochains mois, un lab de ce type-là s'ouvrira peut-être à Nantes. Et dans d'autres métropoles. En tous les cas, on a un formidable lieu dans lequel on présente toutes les technologies, toutes les applications, tous les cas d'usage pour vous permettre de découvrir ces enjeux. Mais surtout, okay, nous avons la parfaite maîtrise de ce qui est devant vous pour faire que ces technologies deviennent des outils ordinaires au service de vos activités de transmission.
Juste pour fixer ce sujet du métaverse, sur lequel on entend beaucoup de choses. Vous avez ici une définition relativement académique de ce qu'est que serait le métaverse, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Autant il existe de nombreux mondes virtuels qui sont aujourd'hui accessibles. Je vais en particulier vous parler d'un que je fréquente régulièrement depuis 2017. Donc on n'est pas du tout sur des technologies nouvelles émergentes, hein. Mais le concept de métaverse pour le grand public est émergent. On peut le présenter comme ça. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la partie que j'ai mis en bleu. Si effectivement on considère que la plénitude de ces nouvelles technologies provient d'une immersion complète, et on va le préciser un tout petit peu derrière, il est important d'avoir à l'esprit le bon vieil adage que qui peut le plus, peut le moins, et pas l'inverse. Donc, ces plateformes dédiées à la formation en réalité virtuelle s'expérimentent pleinement lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle. Par contre, on peut y accéder en version dégradée, de moins bonne, avec une moins bonne immersion, une moins bonne interactivité, à travers des écrans traditionnels. L'inverse n'est pas vrai. Les plateformes dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, Roblox, Sandbox, Decentraland, ces plateformes ne sont pas immersives, au sens technologie immersive, et elles ne le deviendront pas. On ne rentrera pas dans le détail, mais elles ne deviendront pas, sauf être entièrement redéveloppées. Parce que le vrai sujet qui est devant nous, à cette révolution anthropologique, c'est l'immersion. C'est le fait de ne plus être assis derrière un écran, à regarder une petite fenêtre vers le monde, hein, mais c'est d'être dans ce monde. Oups, pardon. En fait, ces technologies vous mettent debout. C'est l'image que j'ai positionnée ici, en fait. C'est ça la grande différence de l'immersion. C'est que vous vous levez et vous êtes agissant dans des univers virtuels collectifs. Cette élévation bénéficie en plus de ce qu'on va appeler l'ubiquité. Vous êtes chez vous, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous allez rencontrer des univers virtuels dans lesquels potentiellement tout est possible, y compris de rencontrer des gens qui viennent de toute la planète. Le vieux rêve de l'ubiquité se réalise, comme celui d'ailleurs de la passe-muraille, puisqu'on peut traverser les murs, puisqu'ils n'ont pas de tangibilité. J'imagine que vous avez vu des vidéos, et je vais vous en présenter une pour que ça soit un peu plus clair, mais elles ne rendent pas compte de l'expérience qui est de mettre un casque de réalité virtuelle. Cette expérience, elle se traduit par un sentiment de présence. Okay. Vous n'êtes pas chacun derrière votre ordinateur. Nous sommes tous ensemble dans un environnement virtuel dans lequel on va faire des choses. Cette présence, elle a comme conséquence une amélioration considérable de l'engagement. Les interactions avec l'univers virtuel, avec les personnes, avec les objets sont complètes. La collaboration est rendue infiniment plus fluide puisque nous sommes ensemble et agissant. Elles sont évidemment, du fait de cette présence, un grand vecteur d'empathie et non pas d'agressivité qu'on peut trouver dans différentes formes de communication qu'on trouve aujourd'hui, même s'il y a des limites. Et en termes de gains pédagogiques, on a une complète concentration puisque vous êtes isolé du monde réel et que vous êtes complètement concentré sur la situation. Donc le taux de mémorisation est extrêmement important. Par ailleurs, on dit souvent qu'une expérience que vous vivez en réalité virtuelle, votre cerveau l'interprète comme une expérience vécue. Donc l'impact cognitif est infiniment plus puissant. Cette image, pour moi, reflète le champ des possibles de ces technologies. Et elle reflète le rapport au monde qu'elles nous permettent de repenser. Tout devient possible, pour un peu qu'on ait de l'éthique et des valeurs. On peut emmener sa classe, ses élèves, sur le dos d'une baleine dans le ciel. Il n'y a potentiellement pas de limite, sauf celle de la réalité, on est bien d'accord. Mais dans cette virtualité, tout devient possible. Tout devient possible pour les enseignants, pour les formateurs. Tout ce que vous imaginez que vous voudriez faire avec vos élèves devient possible, est aujourd'hui presque possible. Alors, cette vision de ce métaverse nécessairement open source, elle se base sur une plateforme qui existe
il y en a d'autres, hein, mais celle-ci pour moi est assez iconique, hein, depuis 2019 et qui s'appelle Engage. C'est une plateforme irlandaise dont la baseline au départ était Communicate, Teach and Learn et qui aujourd'hui est Communication Made Real. Il y a eu à la suite de trois belles levées de fonds un glissement assez important d'un modèle très tourné vers l'éducation et la formation à un modèle qui est aujourd'hui très tourné vers le business. C'est assez normal. Le problème, c'est que cette entreprise a de fortes chances d'être demain rachetée par un major et tous les investissements qui auront été faits par des universités dans cet univers virtuel deviennent plus incertains. D'où la nécessité de construire un modèle open source. Pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça représente, je vous propose cette vidéo qui est une vidéo de promotion mais qui devrait vous donner une idée. In our short history, the Engage platform has become a trusted partner to some of the world's biggest brands and organizations. Having recently signed its 100th commercial client, Engage is rapidly becoming a leader in XR events and communications. We are about to embark on a new journey, one where businesses connect directly with their employees, their customers, and with one another. A journey where the impossible is made possible. Voilà. A metaverse where business is mixed with pleasure and controlled by the professionals who utilize the platform. In our short history, the Engage platform has become a trusted partner to some of the world's biggest brands and organizations. Having recently signed its 100th commercial client, Engage is rapidly becoming a leader in XR events and communications. We are about to embark on a new journey, one where businesses connect directly with their employees, their customers, and with one another. A journey where the impossible is made possible. A metaverse where business is mixed with pleasure and controlled by the professionals who utilize the platform. Welcome to the evolution of Engage. Welcome to Engage Oasis. Je ne suis jamais grand fan des vidéos d'expériences immersives hein, parce que vous avez l'impression de voir ce que vous connaissez, des avatars qu'on promène en étant derrière son écran. En fait, la pleine expérience, c'est que vous êtes dans ces avatars. Ce n'est plus un point de vue à la troisième personne, c'est un point de vue en étant l'avatar. Et ça change tout et intellectuellement, c'est très difficile à appréhender. Donc on n'a pas mis soi-même un casque de réalité virtuelle. C'est pour ça qu'on a créé l'Immersive Learning Lab. C'est pour donner à tout un chacun la possibilité de venir prendre physiquement, émotionnellement, la mesure de l'immersion. Ceci étant, voilà le projet que nous vous avons déposé pour satisfaire à cet enjeu que j'ai qualifié de politique. Sur la base, sur l'inspiration de ces deux plateformes, Moodle et sa communauté, j'insiste sur la notion de communauté, et de ce que serait aujourd'hui un métaverse dédié à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Je voudrais insister sur, au-delà de certaines fonctionnalités, je voudrais insister sur ces éléments-là, là, qui sont liés à la conception même du dispositif. Aujourd'hui, les plateformes que l'on trouve sont des plateformes qui ont été produites et qui sont mises à la disposition de tout un chacun, avec des modèles économiques qui sont fragiles car émergents. Si demain on veut passer à l'échelle, si on veut déployer dans vos universités ce type de dispositif, il faut la penser pour être déployable. Donc la première chose, parce que les enjeux de sécurité des données des organisations et des personnes sont absolument cruciaux, et vous probablement sous-estimez ce qui arrive avec l'accroissement de ces enjeux dans le métaverse, il faut que cette plateforme, elle soit pensée
pour être sécurisé dès le départ et pas devoir être sécurisé lorsqu'on a une demande de client de déploiement. Il faut d'abord aller parler à vos DSI pour que nativement cette application se connecte sur vos systèmes d'information, sur vos systèmes d'authentification, sur vos LMS, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'usage et au déploiement de ces usages au fur et à mesure où vous allez pouvoir les utiliser. Le deuxième élément, qui aujourd'hui est terriblement sous-estimé dans nos métiers, c'est l'accessibilité. Autant l'accessibilité web et smartphone est aujourd'hui parfaitement maîtrisée, autant les enjeux d'accessibilité sont devant nous dans les univers virtuels. Et c'est un sujet d'autant plus important que vous vous souvenez des qualités, entre autres celles de l'ubiquité et de certains pouvoirs magiques qui sont liés à l'immersion, puisque vous n'avez plus les contraintes de la réalité. Ces technologies sont un vecteur de capacité pour les personnes en situation de handicap qui est absolument considérable. On ne va pas complètement changer leur vie, mais en tous les cas, on leur donne aujourd'hui, avec ces technologies, des capacités qui sont sans commune mesure à celles dont on dispose aujourd'hui. Donc ces univers virtuels doivent être pensés accessibles dès le départ. Et par ailleurs, lorsque c'est accessible à tout le monde, y compris aux gens qui sont moins agiles avec des nouveaux terminaux et expériences digitales. Évidemment, ça doit être RGPD by design. Okay. La notion d'espace de paix dans ces univers virtuels se fonde sur le fait que vos données, vos activités, vos données biométriques, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les sujets, mais il y a des gros enjeux à ce niveau-là, vos données sont privées, elles restent privées, elles ne sortent pas, elles ne circulent pas. Et enfin, évidemment, education by design. Je termine. On attend les réponses de financement pour ce projet. Ce qui est absolument essentiel, au-delà de la dimension de la conception, de l'expérience, de la mécanique informatique qui est derrière, c'est la création d'une communauté d'usage. Ces usages, ces technologies, okay, sont extrêmement nouvelles pour l'ensemble des pédagogues de toute la planète aujourd'hui. Il est essentiel de ne pas réinventer la poudre, hein, chacun de son côté. Il est essentiel de mutualiser ces nouvelles pratiques pédagogiques, ces nouveaux travaux de conception d'activités pédagogiques, de façon à collectivement aller plus vite et plus efficacement. Donc cette notion de communauté que vous voyez ici à travers la création des différents labs VR, qui sont ceux du consortium qui a été construit pour cet appel à projet, 16 appels à projet. Okay. Cette notion de communauté d'usage, c'est elle le carburant de ce projet. C'est parce que nous faisons communauté avec les mêmes objectifs d'apprentissage en commun que nous allons pouvoir tirer pleinement profit de ces technologies. Il existe aujourd'hui une communauté, pas francophone, anglophone, qui s'appelle Educators in VR, qui est en activité dans laquelle vous avez dès aujourd'hui la possibilité de rencontrer tous les éducateurs qui aujourd'hui utilisent et depuis des années ces technologies et ces métaverses dans leurs activités, parce qu'on n'est vraiment pas sur des technologies émergentes. Et le propos de France Immersive Learning, auquel je vous encourage à adhérer si cela est possible, est bien de créer cette même communauté dans l'espace francophone et européen pour nous donner les moyens de cette souveraineté dans le métaverse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Je crois qu'on fait un beau tour du sujet grâce à toi. Et c'est exactement le bon public à qui s'adresser. On va bien sûr demander s'il y a des questions, mais je voulais juste préciser que le dernier appel à projet dans l'enseignement supérieur français, DEMOES, a privilégié ce type de financement et qu'il y a donc une dizaine d'universités quasiment qui vont se lancer prochainement, qui sont en train de se lancer. Il y en a qui sont avancées, comme l'Université Lyon 1, notamment. Martine. First question, yeah. Pardon, les mots français, très mal. I've been
Following VR very closely, my first VR helmet was in 1996, VFX1, and I've had VR since. And I'm quite skeptical still of assuming that we need to replicate reality as it is now in virtual reality and be completely shut off from the world. I think the more compelling uses are augmented where, like for example, through your talk, I was listening to a live translation to English on my phone. Would have been very handy to have that in my glasses. That's where I think I get more interested. But have you seen any compelling neuroscience evidence that what types of learning work better in VR? Like, where is the learning and the education? Have you got some good examples of where it was better than otherwise? Sorry for my English, so I'm making it in French. Okay, your translation is good. Je partage tout à fait votre avis qu'il n'y a pas d'intérêt à reproduire le monde réel en réalité virtuelle. Créer un amphithéâtre en réalité virtuelle pour suivre un cours qui ressemble à un amphithéâtre réel n'a, à mon avis, pas de sens. C'est la négation de du formidable potentiel de créativité que nous proposent ces technologies. Inventons des amphithéâtres extrêmement inspirants. Oui. Inventons. Et effectivement, ne singeons pas le réel. Secondement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études et des évidences sur l'amélioration de l'apprentissage par les technologies immersives ? Oui, et pas assez. Oui, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites par des universités américaines, taïwanaises, chinoises, anglaises. Il faudrait d'ailleurs prendre le temps de compiler ces différentes études pour pouvoir répondre précisément à cette question. Mais oui, toutes les études qui ont été faites dans différents contextes manifestent un engagement, une concentration et donc une mémorisation plus importante de ces technologies. Est-ce qu'elles ont vocation à répondre à toutes les situations ? Non. Il ne s'agit pas de substituer ce que l'on fait aujourd'hui à une vie permanente dans le métaverse et en réalité virtuelle. Ce sont des outils supplémentaires qui sont puissants et qu'il faut intégrer dans un parcours hybride. La notion d'hybridation des dispositifs de formation est aujourd'hui parfaitement maîtrisée. Là, on a des outils nouveaux, extrêmement puissants, en particulier pour ce que je vais appeler les publics les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont le plus loin dans l'enseignement supérieur. On est dans un apprentissage par nature dans le faire et dans l'incarnation de concepts. Donc c'est extrêmement adapté à des gens qui ont plus de difficultés à des parcours universitaires, et il y en a beaucoup dans tous les pays. Donc oui, nous avons des études, pas assez, parce que nous sommes aujourd'hui au début des premiers déploiements d'ampleur. Aux États-Unis, on commence à avoir, du fait du confinement, de nombreuses universités et collèges qui, aujourd'hui, ont des univers virtuels privés basés sur Engage et qui commencent à y organiser des activités ordinaires. Donc, pour pouvoir avoir la pleine mesure de la réalité des impacts, on a besoin d'échantillons larges pour pouvoir mener avec des chercheurs en sciences humaines, toutes les études dont on a besoin pour complètement stabiliser nos intuitions et la réalité de ces impacts. Donc, on est à ce moment où il faut déployer pour pouvoir effectivement pleinement mesurer. Mais a priori, il n'y a vraiment pas de doute sur l'efficacité de ces technologies dans l'apprentissage. Merci Nicolas pour ta présentation. On a pas mal discuté hier. Tu sais très bien que je suis convaincu que cette technologie est prometteuse. Je suis convaincu qu'il faille vraiment saisir ce virage, comme tu le dis, à l'échelle nationale en France, et créer une communauté, toujours dans cette même logique de partage et de ressources éducatives libres et partagées. Je pense qu'il est important que tu le dises, même si on en a discuté hier en off, quelles sont les limites de cette technologie ? Il y a des limites. Il faut quand même ne pas rester sur un tableau 100%
positif. Tu as dressé un bilan positif, ça donne envie, mais quand même, il y a des limites pédagogiques, il y a des limites en lien avec la nausée de certains utilisateurs. Il y a pas mal de limites également par rapport à la vision, etc., etc. C'est important de le dire à tout le monde quand même. Oui, oui, tout à fait. Bien évidemment, ce ne sont pas des outils magiques qui vont révolutionner la planète. Il y a des limites, il y a les limites de la réalité. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un peu comme au début d'Internet. On démarre et personne n'a d'ordinateur et on va dans des cybercafés, des points d'accès Internet pour pouvoir accéder aux premiers espaces virtuels. Voilà. Donc, il y a une limite de réalité. Il y a des limites qui sont liées au matériel, même si elles sont de plus en plus faibles. Je vous ai mis là deux images. La deuxième, vous voyez, qui est en haut à droite, c'est ça, la nouvelle génération de casques. On est sur des casques qui pèsent 180 grammes et qui deviennent bien plus confortables à porter pour des gens aujourd'hui qui ne sont pas confortables avec un casque de réalité virtuelle. Et c'est normal de ne pas être confortable avec un casque de réalité virtuelle. Ça peut être gênant, il y a des gens qui n'aiment pas ça. En ce qui concerne ce qu'on appelle le motion sickness, c'est-à-dire la possibilité pour certaines personnes d'être très inconfortables dans certaines expériences, ça existe. Il ne faut pas le nier. Et pour ces personnes, il faudra leur proposer une expérience plus traditionnelle, d'où mon exemple tout à l'heure, enfin mon allégorie de qui peut le plus, peut le moins. Il faut que ça soit immersif, mais accessible dans une version non immersive. Oui, il y a des personnes, mais finalement, assez peu. Ceux qui ont le mal des transports dans la réalité ou le mal de mer auront les mêmes symptômes dans la réalité virtuelle. On confond quand même souvent la charge cognitive des premières expériences comme étant une mauvaise expérience de la réalité virtuelle. Les premières sensations, la réalité virtuelle, c'est un peu comme le footing. Plus vous en faites, plus c'est facile. Et il y a évidemment des limites pédagogiques, et en particulier celle de l'adoption par les enseignants de ces outils et de la transformation de leurs pratiques et de leur posture professionnelle. Et là, on a un enjeu majeur. Donc, bien sûr qu'il y a des limites, mais le potentiel positif est tellement manifeste qu'il faut regarder ces limites avec lucidité et pleinement se saisir des opportunités. Merci beaucoup, Nicolas. Et comme le temps avance et que je pense que vous avez tous assez faim et qu'il y a quand même une vraie présentation qui arrive maintenant, eh bien, je présente Pierre. Pierre, c'est toi qui as installé les slides. Je te laisse.